Est-ce que tu es prêt, Nathanaël? Oui, toujours pour la balade critique. Et on va faire une balade critique avec vous. Alors, spéciale nouvelle année. Spéciale nouvelle année, exactement. J'avais eu envie en décembre, je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien aller voir un peu tous ceux qui avaient prophétisé une super année 2020, voir un peu sur leur compte s'ils ont récidivé en 2021. En fait. C'est ça. Ceux qui ont dit, je proclame une année incroyable en 2020. C'est ça. Bon, dans le même genre, on pourrait aller voir ceux qui ont prophétisé les victoires de Donald Trump ou ce genre de choses, mais je ne vais pas être trop taquin non plus. Mais alors du coup, et sinon, alors, déjà, vous pouvez nous envoyer, parce que déjà, la petite... Il y a David qui fait son, pardon. C'est ça. Il est perturbant. Joël qui dit, j'ai pas entendu la blague. C'est juste parce qu'il a dit, non mais ça, expliquer une blague, il n'y a rien de pire. Non mais laisse tomber. Alors du coup, voici la blague critique, là, c'est que vous pouvez nous envoyer ce que vous trouvez sur Internet. Donc, alors, c'est pas forcément que des choses négatives, d'accord? C'est qu'il y a aussi des choses positives. D'ailleurs, le tour, on nous a envoyé un post, je sais pas, qui était positif. Du coup, ouais, je crois, ouais. Je trouve ça cool aussi qu'on le fasse pour une fois. Et donc, pour envoyer, c'est sur baladecritique@mauvaisefoi. Bah, ça, je vous l'ai mis sur l'écran, là, si vous voulez. Ouais, magnifique. C'est écrit, donc, vous avez juste à regarder. Donc, n'hésitez pas à envoyer et à préciser que ce sera, on précise que ce sera anonyme. C'est-à-dire que ça. Vous pouvez envoyer. Promis, on fera. En fait, là, ce qui serait bien, c'est qu'on aille se promener sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur Instagram directement? Ouais, on peut aller sur Instagram, on peut taper, je sais pas, voir sur quelques comptes chrétiens, voir s'il y a des gens qui ont proclamé une année 2021, une année 2021 bénie. Et. Attends. Attends. Il y a Réliré qui dit bon, on pourrait réinviter la demoiselle qui parlait de fraude et qui avait anticipé Trump avec des bulletins de votre côté. Oui. Ouais, je sais. Mais en plus, ça a été sympa. Du coup, je me sens mal de l'afficher comme ça. Mais oui. Elle est là en direct avec nous. Ça se trouve, elle est en direct. D'ailleurs, si t'es là en direct avec nous, je peux toujours envoyer un petit message. Mais j'avoue que, après tout, on a le droit d'imaginer des choses. Moi, surtout, ce qui est intéressant, c'est déjà elle n'avait pas prophétisé au nom de Dieu. Et déjà, ça, pour moi, c'est déjà une grande valeur. C'est ça. C'est déjà bien. Bon. Oui, on sait que tu taquines, Relire, t'inquiète pas. Mais en vrai, avec Émile, comme je disais, nous aussi, on s'amuse à taquiner nos amis trumpistes. Émile, ce matin, en arrivant au boulot, il a demandé à son copain pourquoi il n'était pas sur le Capitole. Il n'était pas sur le taquine. Bon, alors... bon alors qui c'est qu'on va voir parce qu'en fait on s'est pas trop préparé en fait. C'est vrai qu'on a mal fait ça. Faut qu'on aille voir qui. Je prie que ta relation avec Dieu grandisse. Devine plus fort. On va voir si les disciples de Jésus avaient prophétisé quelque chose pour l'année 2020. Ça faudrait juste reprendre des trucs qui avaient souhaité une bonne année. En fait le problème c'est que ces gens-là postent tellement 46 trucs par an, par journée plutôt que avant de redescendre à la nouvelle année. Alors, regarde, on est où là? Ah si, 11 août 2020, ça va vite. Allez, il y a David allez. Qui dit « Direct le bon combat sur Instagram », ça rigole pas. Ça, après, il faudrait faire un tour sur le bon combat. Ouais, mais je pense pas que le bon combat soit son style de prophétiser des trucs. Non, il y a d'autres choses. Mais... 29 avril. Fais voir sur le coronavirus. Ah bah attends, on fait une chose. Attends, c'était quoi? Dieu t'appelle. On est où là? Lundi 26 août 2019. Oh là, puis je trouve on est trop remonté. Bon, apparemment, il n'a pas souhaité. Ouais. Si un jour t'as été. Excusez-moi. Seigneur, pardonne-moi si un jour j'ai été ingrat. Non, c'est horrible. On avait déjà parlé de ce genre de truc. Moi, je trouve ça horrible parce qu'en plus, vraiment, il n'y a aucun respect pour. Même pour la petite fille, quoi. C'est genre. C'est ça, c'est genre. Toi, t'as vraiment une vie de merde. Genre, c'est ça. En fait, on vous informe, on vous le dit au cas où, ok. Si un jour vous croisez quelqu'un qui a une vie qui n'est pas terrible, lui dire franchement, avec toi, ça me fait relativiser sur ma vie. Je suis pas sûr que ça l'aide. Je suis pas sûr que ça lui fasse plaisir. Grâce à toi, je suis reconnaissant envers Dieu. Ouais, Raphaël qui dit on pourrait aussi lister tous ceux qui ont dit que le coronavirus était une punition divine. Ah oui, Cospiel. Ah, Cospiel, à mon avis, lui, c'est son genre d'aller prophétiser sur la. Mais si on va jouer dans l'accueil, sinon tant pis, on se balade, on voit ce qu'on trouve. Ouais. On fait une vraie balade critique. Attends, ah si, regarde. Ah oui, génial. Oh, regarde. Ah non, elle est magique celle-là. Encore. Non, mais t'as vu, genre, c'est 2019?
Regarde, j'ai un super cadeau pour toi. 2020 va être génial. Alors, celle-là, elle est golden. Bon, mais très souvent, ça met à mal le don de prophétie. Attends, c'est quoi qui dit? Encore plus de grâce et de bénédiction en 2020. Si tu crois que cette déclaration est pour toi, écris Merci Seigneur. Alors, je suis désolé pour toutes les personnes. Enfin, toutes les personnes qui ont eu le Covid n'ont pas écrit Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Non, mais je trouve ça quand même. Parfois, je me dis vraiment, on devrait créer un compte comme ça, tu vois. Je pense qu'on aurait plus de succès avec mauvaise foi, quoi. Ouais. Regarde. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. En plus, c'est des versets qui n'ont rien à voir à chaque fois. Ah oui? Ah, ok, bon, tant pis, je vais pas vous prendre la tête à Il y lire. a Olka94 qui dit 2020, c'est un des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Alors du coup, je propose que la version apocalyptique, on fasse ça un jour, un chat, enfin un live spécial avec David, spécial Apocalypse, fin des Tu sais temps, que j'ai les tout ça. commentaires YouTube ici Ouais, maintenant. je sais, je sais. Et comme ça, on pourra parler de ça, on pourra répondre à toutes ces questions-là. Personnellement, on n'est pas Allez convaincu, David. hein, mais Allez David, on fait un live Apocalypse un de ces jours. Bref, bon alors, on va voir ce que Cospi elle avait dit. la fin de l'esprit du corona. Il y a Eman qui dit, il y a beaucoup de pasteurs qui avaient prophétisé la fin de l'esprit du corona en 2020. Mais bon, il faudra attendre un peu, quoi, manifestement. C'est pas pour tout de suite la fin de La l'esprit du bénédiction a corona. du retard. Alors, attendez. Ah, je prie pour Il y en a pour toi. longtemps, pour Ouais, longtemps. parce que Cospi, pareil, je pense, il poste 36 fois par jour. Je suis remonté où là? J'en suis. Il n'y a même pas de date. 6 août 2001. Ah, si, ça va. On monte vite. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Après, vous me dites, c'est un poste qui vous tente, on peut cliquer dessus. Hein. N'hésitez pas. Hein. On peut s'arrêter dessus. Ça, je regarde, mais pensant. Ça parle beaucoup des musiques mondaines. Hein. Il a une obsession là-dessus, Gospiel. Bon, c'est quoi ça? C'est quand ça? 28 Mars. mars. Allez, on arrive bientôt à la nouvelle année. Aidez-nous à La Bible remonter. parle du coronavirus. Vas-y, fais un petit tour La là. Bible part du Ah, c'est coronavirus. une vidéo. Oh, ça va être long. Pèse le mort, Attends, 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 attends. mon Dieu. Dans de nombreux passages, la Bible fait mention de peste d'Hébert, en hébreu signifiant peste, fléau, fièvre, mortalité. Et la parole nous ordonne de ne pas nous inquiéter dans cette vidéo. Je cite de nombreuses promesses liées à ce genre de pandémie, infection. Soyez rassurés. Je vous demande personnellement de ne plus tenir de réunions et de rassemblements. Et lavez-vous les mains sans arrêt. Partagez également la vidéo sur YouTube que les gens se tournent vers Christ, l'antidote du Covid-19. Alors... Déjà, si j'ai pas besoin d'avoir peur, pourquoi me laver les mains? Je vais saigner du nez là, tellement il y a de contradictions dans cette même phrase. Genre, si on n'a pas à s'inquiéter, pourquoi se laver les mains? Pourquoi arrêter de se rassembler? À part, genre, pour. Je pense que l'argument qu'on va nous sortir, c'est Respect des le autorités. respect des autorités, quoi. Mais bon, mais genre, Christ, l'antidote du Covid-19, c'est. Ouais, là, non, c'est. Bon, bref. Je sais pas s'il y a tant de choses que ça à Non, non, rajouter, non, mais c'est bon. bon, on a déjà tout dit là-dessus, je Bon. pense, on a fait le tour. Attends, on descend. Est-ce que c'est ça? On est où ça? 46 semaines, c'est pas encore 46 bon. semaines, c'est pas bon.51 semaines, on doit pas être bien Ah. loin. J'ai entendu lever les mains donc sans arrêt. Ouais, c'est ça. En fait, tant que tu lèves les mains, tu sais, c'est comme la. C'est quoi? C'est qui levait les mains à la bataille dans le désert là? C'était Ah, Aaron, ouais. non, c'est Moïse. Moïse qui levait les mains. Voilà. En fait, quand tu baisses les mains, ben t'as le virus qui te chope. Du coup, il faut rester les mains levées tout le temps. 28 décembre 2019. C'était où ça? J'ai l'impression qu'il n'a pas fêté la nouvelle. Ou alors il a supprimé son poste. C'est l'un sur l'autre. Ah, mon épouse et moi, nous vous souhaitons une bonne année 2020 à tous. La Bible nous recommande de prendre des résolutions dans Job 22-28 et elle nous promet du succès dans tout. Je vous donne un exemple de résolution à prendre pour cette nouvelle année. Bon, bah, Bon, il est resté ça. Bon, c'est on très va, on décevant. salue. Je me sens profondément On déçu salue. là. Je suis très On triste. salue. Vous avez quoi contre Christ, l'antidote du corona? Bon. Bah, pour toi, l'antidote du corona, c'est Jésus.
Jésus, pour moi, tu peux, à la limite, l'antidote contre le péché, ok, mais l'antidote contre le corona, faut qu'on m'explique. Qu'est-ce que tu entends par là? Ouais, c'est ça. Il y a Esther qui disait, je ne sais pas si vous avez en story, mais si on peut regarder l'image que j'ai envoyée dans notre story à nous. Ouais. Tu sais, sur. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, il y a des manifestants pro-Trump qui sont rentrés dans le Capitole hier. Et du coup, en fait, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a quelqu'un qui a. Bah, pour toi, je suis en train de regarder notre propre live. Hein. Non. En fait, j'ai pas accès à nos stories. T'as pas accès à nos stories. Mais l'antidote contre le corona. Non, bah tant pis. Et en fait, je trouve ça intéressant. En fait, moi, ce qui m'avait sourire, c'est que le gars, il avait une pancarte Jesus Saves. Ouais. C'est ça l'accent anglais. Et personnellement, genre, ça m'a fait tellement honte, quoi. Tu te dis, mais genre. Encore un moment, genre, au demain au boulot, j'avais envie de me cacher. Là, tous mes collègues, ils m'ont dit « Ah, t'as vu, il y a des chrétiens qui sont rentrés dans le Capitole !» Il y a Yves qui veut qu'on lise Job 22-28. Enfin bref. Et en gros, genre, clairement, moi, je trouve ça hallucinant, quoi, qu'il y ait des... Justement, de faire un « Not in my name ». Bon, sinon, après, on peut regarder l'adresse mail, hein. On reçoit des trucs sur l'adresse mail. Vas-y, alors, on va regarder Job sur les vœux. Faire des vœux, c'est biblique. Ah bon? Mais c'est ce qu'il disait. Non, prendre des résolutions. C'était ça le Job 22-28. Job 22-28. Prends-en, oui, si c'était par message, un post, tu sais, sur Insta. Ouais. Job 22-28. Quoi que tu décides, cela réussira. Tout sera clair pour toi sur la voie que tu suis. Alors, déjà. Un bon petit hors contexte. Non, mais un méchant hors contexte. Déjà. Parce que, je veux dire. Tout le principe du livre de Job repose sur une ironie dramatique. Okay, alors là, je vais regarder rapidement, hein, Job 22, mais à mon avis, c'est les paroles d'un des. Vu qu'on en est, c'est des paroles d'un des amis de Job. Voilà, c'est Eliphaz. Donc c'est un des amis de Job qui vient expliquer à Job pourquoi est-ce qu'il lui arrive tant de malheurs, alors qu'on sait depuis le début que ça n'a rien à voir avec lui, en fait. Et donc, en fait. De fait, toutes les paroles des amis de Job sont nulles et non avenues parce que justement, ils sont complètement à la côté de la plaque. Parce que nous, on sait depuis le début la raison pour laquelle il est. Donc en fait, tout le principe du livre de Job repose sur une réunion dramatique où tu vas les mettre discuter dans le vent alors que le problème, il est complètement ailleurs, quoi. Donc vraiment, citer ce passage-là, c'est vraiment. Enfin, toutes les paroles des amis de Job sont à prendre avec du recul parce que justement ils sont les paroles et justement à la fin Dieu intervient pour dire vous avez parlé dans le vent en gros. Donc t'as 22 chapitres, il parle puis à la fin Dieu dit vous avez parlé, c'était de la merde. <C'est>... Et je rappelle que je trouve que c'est pire de propager, elle revient sur la question du Capitole, ouais. Je trouve que c'est pire de propager la rumeur que c'est un complot antifa quand tu es un leader chrétien, Franklin Graham notamment, qu'une vieille pancarte Jesus Save. Mais clairement, j'ai l'impression que Trump, j'ai l'impression que vraiment Trump, c'est un facteur de division et de scission même au sein du monde évangélique, parce que j'ai l'impression que là, en fait, mais même au sein du monde évangélique, parce que ouais. C'est pas tout le monde évangélique qui suit Trump aux États-Unis. Il y a une bonne partie qu'il fait, mais je pense que là, Trump, c'est vraiment un facteur de. Mais Trump, il est allé trop loin. Il est en train de créer. Je crois qu'il est vraiment en train de créer une scission, quoi. Je pense que ça va être intéressant, en fait, même ce qui va se passer dans les mois et même les années qui vont passer, parce que je crois que ça a marqué un point de rupture au milieu, au centre, enfin, tu sais, dans le monde évangélique, en fait, entre plusieurs traditions, tu vois. Ouais. Enfin, bref, j'en sais rien. Peut-être que ça va continuer comme avant, mais J'ai du mal à voir même avec tout ce qui se passe. Hein. Encore plus comment ceux qui sont détruits, comment il y a quand même tout un tas de prophéties qui étaient liées. Enfin, il y a aussi, tu sais, genre aujourd'hui j'ai l'impression que c'est quand même. Et tout ce qui s'est passé, ça lui a quand même mis un coup dans l'aile, non ? Enfin, à qui ? À Trump ? À Trump. Enfin, je veux dire, à la fois en termes de prophéties bibliques, hein, ceux qui voyaient en lui le sauveur d'Israël, etc. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Enfin, il me semble c'est quand même compliqué. Enfin, ça devient de plus en plus compliqué de défendre Trump. En vrai. De toute façon, les chrétiens fondamentalistes, en fait, je crois qu'il n'y a rien de mieux pour vacciner contre eux que de leur donner le pouvoir, tu vois. C'est, en général, une fois qu'on l'a fait, on fait « Ouais, quand même, hein, ça crée des problèmes quand même. Hein. » Ouais, c'est ça, il n'y a rien que le Capitole, ce qui s'est passé. Enfin, je veux dire, c'est historique, quoi. Des gens tués dans le Capitole, des citoyens américains tués dans le Capitole, enfin, je veux dire, c'est surréaliste. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte de ce qui est en train de se passer, quoi.
Enfin, ça me semble. Il y a Raphaël qui dit c'est très christique cette division. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis maître la division. Ouais, c'est intéressant. Après, il faudra voir comment est-ce qu'on le comprend ce passage-là. Ouais, et puis je Enfin, pense, encore une fois, parce que faudrait qu'on pareil, fasse des études bibliques avec ouais, c'est mauvaise foi. intéressant. C'est intéressant parce que de regarder ce passage dans son contexte, parce qu'il me semble quand même que globalement, quand même, le message de Dieu, c'est un message d'amour. Et il me semble que juste se contenter de lâcher ça comme ça au passage. Il dit quoi? Attends, on a beaucoup de chrétiens. C'est absolument convaincu, Ouais, d'ici le 21, quelque chose va se passer pour garder Trump en place. Ouais, non, mais d'accord, mais à la limite, ils peuvent, mais je veux dire, une fois que le 21 janvier sera passé, il va se passer quoi? Enfin, c'est ça en fait, tu après, il vois, y a des c'est chrétiens qui ont que. beaucoup de résilience. Hein. Parmi ceux, par exemple, qui prédisent La fin du monde, régulièrement le ouais. retour de Jésus C'est vrai. et qui, fois après fois, sont déçus, mais ils font « Bon, bah, c'est pas grave, ce sera une autre date. » Genre, C'est ils se vrai. démontent pas, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Bon, hein, on va se Non, les gens promener. voient les noms. Hein? Les gens voient les noms, Non, là. non, non, il voit Ok. pas les noms. Et, oui. Il faut seulement là. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille, on va regarder l'adresse mail un petit peu. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit la peine de mort est biblique. Il y a quelqu'un qui nous dit Jésus président. Il y a quelqu'un qui dit est-ce qu'il y a une hiérarchie dans le monde spirituel? Il y a quelqu'un qui nous dit qu'est-ce qu'on en a à foutre de quelque chose? Et il envoie un lien. Ah oui, ah ouais. Mais en plus c'est moi qui ai envoyé ça. Attends. Vous le voyez? Ah non, il ne le voit pas. Attendez. Si, Non, partage-le, non, c'est non, pas non. mal. C'est cette fenêtre-là qui m'a fait. Hop là, je vous partage ça là. Parce que j'ai trouvé ça, je trouvais ça sur Facebook, moi. Et genre vraiment, quand j'ai lu ça, quand Jésus est mort sur la croix, il est descendu 3 jours chronos, mais en réalité, il est resté une éternité, kairos. Et je me suis dit, mais. Et en fait, moi, ce qui m'afflige, c'est les 170 commentaires en dessous, quoi. Je suis là, genre, vraiment, je suis en train de me dire. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est ce que je veux Ouais, dire. je comprends même pas la question en fait, pour être honnête. Mais en fait, c'est la question. Enfin, c'est quand Jésus il est mort sur la croix, il est descendu 3 jours chronos. Mais est-ce qu'en réalité, il est resté une éternité, c'est-à-dire le Kairos? En fait, enfin, pour moi, c'est Ouais, je même. comprends pas la question. La question, c'est parce que en fait, si Jésus il est descendu 3 jours. Bah en fait, tu sais, quand Jésus est mort, est-ce qu'il est pendant 3 jours, il était mort, quoi. Ouais. Et en fait, est-ce qu'il était mort pendant 3 jours ou est-ce qu'il est mort pendant toute l'éternité parce qu'il est en enfer et tout, enfin, tu vois. En fait, moi, c'est juste que vraiment. Moi, je sais pas où tu vas, c'est moi qui suis débile là, mais moi j'ai du mal, enfin, je sais pas, il est mort 3 jours, il est mort 3 jours, pourquoi tu me parles d'éternité? Enfin, soit la réponse est trop simple, soit j'ai pas Alors, compris il la y a David qui question. dit ça, c'est le problème de la surinterprétation des termes grecs. Mais en fait, moi, ce que je trouve, c'est. En fait, bon, C'est le on problème de peut. parler, c'est le problème d'essayer de parler grec quand tu parles pas grec, quoi. Je veux dire, c'est C'est comme moi quand je parle anglais, quoi, ça marche pas, quoi. Enfin, je veux dire, faut arrêter, quoi. Non ça. mais. Non mais en fait. Jésus est toujours sur la croix, oui, non mais c'est ça, moi je comprends pas le. En fait, moi, ce que j'ai. C'est vraiment moi ce qui m'a affligé avec ça, c'est de me dire, mais attends, mais genre, enfin. Franchement, on n'a pas mieux à faire de discuter de ça, quoi. Et pour Non, moi, mais surtout, juste c'est des en bas, commentaires quoi. égoïstes, quoi. En bas, il y a 170 commentaires. Bah, en fait, Je c'est crois une que c'est une capture photo. d'écran, donc C'est une désolé, capture d'écran, on mais. saura jamais. Mais genre. Je me suis posé une bague à un youtubeur qui a fait une vidéo sur le sujet. Il faudrait voir ce qu'ils ont compris. Écoutez, on va. Mais moi, en fait, moi, bon, de manière générale, en fait, moi, Attends, souvent. il y a. C'est ça, ça c'est la doctrine catho qu'il est toujours sur la croix et que c'est comme ça que le Christ renonce le même sacrifice. Oh. Voilà, donc là j'ai compris la question du coup. Bref, moi, oubliez ça. Moi, ce qui m'afflige parfois quand je vois des groupes chrétiens et tout, c'est vraiment, je trouve qu'il y a des questions que les gens se posent que je trouve nulles, quoi. Genre, enfin, vraiment, t'as rien de mieux à foutre de Bah te après, poser ces chacun ses questions-là, questions. Après, quoi. moi, je peux comprendre, enfin, chacun ses questions, Toi, t'es. Non, c'est. mais attends, non, mais. Toi, c'est déjà arrivé en école de théologie, tu vois, genre qu'en classe, il y avait des débats et t'étais là. Ah! Genre, à la fin, quoi, on a une réponse. Qu'est-ce que ça change, tu vois? Vraiment, quoi, enfin, tu vois, genre, on n'a pas mieux à foutre. Enfin, ouais, ça va, ça va. Bref, ça va, ça. Moi, ce qui me fait penser, c'est toutes les questions sur certains groupes chrétiens, ou même ça aussi à l'école, il y avait, tu sais, c'est toujours, est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Est-ce qu'un chrétien peut? Tu sais, la série des questions, est-ce qu'un chrétien peut? T'en finis jamais, quoi. Ils cherchent toutes les situations les plus bizarres. Est-ce qu'un chrétien peut s'asseoir sur un banc? Et puis, t'as cherché tes versets bibliques pour savoir ça. Bref. Alors, sinon, il y a Sam CVN vous propose de découvrir le christianisme le plus libérateur qui soit.
pas c'est quoi ça, mais regardez. Bah, c'est une vidéo YouTube. Ah, ça, non, ça c'est la pub, j'allais dire, elle dure pas longtemps. Ouais, non, là, on va pas regarder tout ça en entier. Après, il y avait un truc, tu m'avais parlé d'une vidéo sur YouTube que tu avais vue, tu sais, sur la rhétorique réactionnaire. Ouais, mais ça va être long ça. Puis en plus, non, mais on peut plus la regarder, mais tu peux en faire un résumé. Ouais, il me faudrait reprendre, j'ai plus en tête, hein. Tu me prends comme ça. Allez, bah, essaie de réfléchir pour l'instant. Un chrétien doit-il faire des enfants? Tiens, allez, tu veux régler ça? Vas-y, au revoir. Allez. Je suis pas obligé d'avoir un bébé, moi. Si c'est non, la réponse, je suis quand même. Du coup, je fais quoi? Je tue mon enfant À quelques mois près, t'es dans le péché, quoi. Ok, alors. Pour vous. Ah, bon, alors là, en fait, c'est un débat. Je regarde un peu ce qui est dans le chat. Moi, je suis quand même assez d'accord. Enfin, je vais pas être d'accord avec toi. Les gens ont le droit de poser des questions, quoi. Même si elles sont bêtes. À nous d'expliquer pourquoi elles sont bêtes. Non, mais c'est pas que la question est bête. C'est que, genre, en fait, ça te préoccupe, tu vois. Tu te dis, tu vois, enfin, où est-ce que. Enfin, pour moi, c'est genre. Tu vois, c'est ça que moi, en fait, c'est. Tant pis si la personne a posé la question. Je suis pas allé sur les autres. Mais si je me dis, c'est ça qui préoccupe les gens, tu vois. C'est genre, quand Jésus était sur la croix, c'était Kairos ou c'était plutôt, tu vois. Et moi, je suis là, genre. Bah, ça les préoccupe. Oui, mais. Genre, moi, justement, moi, si ça les préoccupe, bah oui, pose ta question si ça te préoccupe. Mais moi, là, surtout, c'est genre, pourquoi ça te préoccupe, quoi? Tu vois, genre, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que ça te préoccupe, ouais. Tu vois? Bref. Mais je pense qu'il y a des choses qui te préoccupent dans la vie qui me désintéressent complètement. Alors, ce qui peut être intéressant, là, c'est de regarder les commentaires, parce qu'en fait, c'est un débat, en fait. Pour vous, un couple chrétien peut-il faire le choix de ne pas vouloir d'enfant? Qu'en penses-tu, Nathanaël? Attends, je pense que cette ordonnance est toujours valable, parce que ça s'est basé. Qu'en pensez-vous pour vous? L'ordonnance de se multiplier donnée par Dieu dans la Genèse est-elle toujours d'actualité et concerne-t-elle tous les couples? Partagez votre avis respectueusement dans les commentaires, d'accord? Je pense que cette ordonnance est toujours valable, mais que ce n'est pas une désobéissance de ne pas en vouloir. Ça, mais je trouve que ce genre de truc, c'est légion, souvent dans les mondes chrétiens, tu vois. C'est genre, c'est le en même temps, tu vois. C'est genre, c'est un ordre de Dieu, mais si tu ne le fais pas, c'est pas une désobéissance. Ouais. Ouais. Enfin, en tout cas, mon avis personnel, c'est que non, je vois pas sur quoi on s'appuierait pour dire que c'est absolument obligatoire. Chez les catholiques romains, le fait de ne pas vouloir d'enfant est un empêchement au mariage. Ouais. Qui nous dit ça. Ouais. Mais je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Mais moi personnellement, j'ai du mal à voir quand même s'appuyer sur ce seul passage-là. Par exemple, je sais pas, est-ce que Paul a eu des enfants? Est-ce que Jésus voulait des enfants, par exemple? Genre, Jésus a pas eu la volonté de se multiplier s'il est venu sur Terre. Ouais. Mais du coup, il aurait péché. C'est vrai. Jésus, est-ce qu'il voulait pas d'enfants? Et il a... Mais est-ce que Jésus a eu des enfants? Peut-être qu'on ne sait pas. Et là, alors, ça va le finir. Je ne... Moi, tant que Christ n'a pas renouvelé l'ordre, c'est quartier libre. Alors, pour moi, je suis pas sûr que c'est un bon argument, parce que si y a plein de choses que Jésus n'a pas renouvelées, et pourtant, en gros, si je suis ta logique, en fait, bah, on peut juste balancer à la poubelle l'Ancien Testament et juste baser sur ce que Jésus dit, quoi. Et en gros, si Jésus en parle pas, alors que pour moi, quand même, il y a que des choses à tirer de l'Ancien Testament, quoi. Les cercles dont on parle de couple. Mais en fait, je pense que le verset dont il cite dans Genèse ne parle pas spécialement des couples. Enfin, je veux dire, ça dit multipliez-vous, point, quoi. Donc, je veux dire, si on le donne à tout le monde, soit on le donne pas à tout le monde. Enfin, je sais pas. Il y a un truc marrant que j'ai perdu. Il y a Raphaël qui dit il a multiplié les pains, du coup, ça compte. Jésus. Il s'est pas multiplié, mais il a multiplié les pains. Du coup, ça compte. Et les pains, c'est considéré comme ses enfants? Et non, mais c'est une blague. Oh, ça n'a pas de sens. Vraiment insortable. Hein. Bon, on attaque autre chose, un autre sujet. À moins que vous ayez encore envie d'en parler, là. Ça vous chauffe? Là, il y a un débat sur Agapé. Pourquoi? C'est quoi le rapport entre Agapé? Parce qu'ils sont restés sur le... Tu sais, sur interpréter le grec. Ah oui, d'accord. C'est... Ah oui, ça remonte pas loin. Le soyez fécond, ça doit être aussi soyez productif ou fructueux, maybe. En fait, moi, j'ai pas de problème à dire juste et juste soyez fécond, point. Ça veut dire être fécond, parce qu'à un moment donné, il y a aussi une réalité, c'est que si personne ne fait des enfants, j'ai pas de problème avec l'idée de dire.
En fait, l'amour, éclatez-vous, quoi. Après, s'il faut y voir un ordre... Ah oui, d'accord, parce que en gros, tu peux le comprendre comme, genre, c'est mal de ne pas vouloir d'enfant à un moment particulier. Parce que, en gros, il y a deux choses. Il y a la contraception qui dit « je veux contrôler le moment où je veux des enfants ouais. ». Et il y a aussi des gens qui disent, il y a des couples qui disent « nous, on ne veut pas d'enfants, tout court. Moi, j'ai un ami comme ouais. ça, il est en couple et lui, il dit « moi, je ne veux jamais d'enfants ». Ce n'est pas une question, tu vois, ouais. il fait pas la contraception pour choisir le moment où il veut un enfant. Il veut juste pas d'enfants. Oui, mais moi, ça… Et pourtant, ça te pose problème, ça ? Non, ça me pose pas problème. Ok. Mais je veux dire, mais c'est pas. Encore une fois, je suis pas forcément. Le souhait fécond, c'était juste c'est quand il dit en vrai, il essaie d'amener ça sur autre chose que sur le. Pour moi, c'est un mandat à l'humanité en entier. Non, quoi. C'est ça, exactement. Mais d'un point de vue humanité, on se doute bien que si tout le monde arrête de faire des enfants, on va avoir un problème à un moment donné. Bah, on pourrait se dire que, imaginons, tu vois, qu'il y a une grosse catastrophe naturelle, tu vois, et qu'il y a besoin que ça pourrait. On pourrait avoir un. Tu vois, après la guerre, par exemple, on allait faire des enfants. C'est ça, tu vois. On pourrait dire que dans certaines comtés, de certaines circonstances, on peut être plus ou moins, on peut se dire que c'est plus ou moins notre devoir de faire des enfants. C'est ça, exactement. Je pourrais dire ça. Mais que c'est une question de circonstances, quoi. Et que dans la circonstance actuelle où tout le monde fait des enfants, bon, bah, ça va, quoi. On peut s'en passer, quoi. Puis, sachant que oui, sachant, plus Paul parle du don de célibat. Oui, mais c'est pas un couple. Il y a Raphaël qui dit si je dévoue toute ma vie à un ministère qui touche toute l'humanité, est-ce que j'ai pas d'enfants? Et j'étais fécond. Alors, je sais pas beaucoup, il faudrait lire le texte, mais je sais pas si c'est pas un peu une pirouette pour s'en sortir. Ouais, quand même. Enfin, pour moi, quand Jésus parle, après, je suis pas. Mais... Ça sent un peu la pirouette quand même. Ouais, ça. Ça ressemble au truc que, oui, quand Paul dit femme, soyez soumise, il dit pas vraiment soyez soumise. Ouais. Il dit. C'est ça. Il dit est-ce que si l'humanité meurt avant la fin du monde, on devra quand même attendre la date de la fin du monde? J'adore ce genre de questions. Bon, on continue ? Oui, ou alors soumission égale sous la mission. Non, voilà, c'est ça. C'est ça, ce voilà, exactement. Ça, c'est le genre de pirouette. Pirouette, cacahuète, il était un petit homme. Bref. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Y a donc hiérarchie dans le monde spirituel. Quand tu t'apprêtes à dire quelque chose, et nous avons une capture d'écran, quand tu t'apprêtes à dire quelque chose de spirituellement avancé, mais que tu te souviens qu'ils ne comprendront pas. Ça, je sais que t'aimes ça, Azinat. Lâche-toi. J'ai l'impression qu'on parle de moi. En fait, genre, vous ne comprenez jamais quand je dis des trucs spirituellement avancés. C'est pour ça. C'est, en fait, le chat, c'est moi. Non, bah, bien sûr, ça m'énerve. Bien sûr, ça m'énerve. C'est des... Non, mais je ne sais pas quoi dire. Non, mais en fait, c'est ça. En fait, c'est... En on, fait, ça, on entend ça 10 fois par jour, quoi, sur les réseaux sociaux. On discute avec les gens et... C'est quoi quelque chose de... Ouais, c'est ça. T'as pas assez l'esprit de Dieu. T'es pas assez avancé spirituellement. Quand tu seras plus mature dans ta foi, t'as besoin de prier avant de... Mais en fait, ça, c'est vraiment la version chrétienne du « tu comprendras quand tu seras plus grand », quoi. Vraiment, c'est ça. Hein. Genre, c'est... T'es trop jeune pour ça. C'est ça, t'es trop jeune pour comprendre. Non, mais c'est clair. Il dit, David, il dit, dès que j'atteins les 10 000 abonnés, je lancerai ça aussi. C'est quoi qui lancera ? Je ne sais pas. J'ai pas compris. Est-ce qu'on a une annonce en exclusivité de David ? Attends, c'est quoi qu'il dit ? C'est des révélations de niveau, ouais, mais c'est pas moi. Enfin, en fait, puis le problème, en fait, c'est que... Mais tu sais, c'est souvent le truc aussi, tu sais, les gens qui disent, oui, il faut avoir une maturité spirituelle pour lire la Bible. Ou William qui dit, c'est ça, le fameux, c'est... T'as pas encore eu la... Je vais prier pour que Dieu te révèle sa pensée. Ouais, c'est ça. C'est là, t'as tellement vu les ordres. J'ai pas d'argument, c'est ça. Mais... C'est ça. Mais tu sais, c'est un peu le... Je sais plus, il y avait un post qui disait ça, c'est genre, tu sais, quand le... Tu sais, j'ai prié pour que Dieu ait la révélation. Égal dans le langage séculier, va te faire foutre, connard. Je mets fin à cette conversation parce que je n'ai plus d'arguments. Mais ouais, non, mais... ouais. Et parce que la personne qui nous l'envoyait, elle précisait ça un peu comme, c'est comme si en plus il y avait une hiérarchie, tu sais, dans le monde. C'est ça. J'adore. Il y a Yves qui dit, dans certaines églises, on dit que tu es un bébé spirituel et que tu dois devenir un hulos pour comprendre les vraies choses et parler au Saint-Esprit comme si c'était Siri. Tu réfléchis encore un peu trop par toi-même. Ce serait bien que tu fermes ta gueule et que tu te laisses vraiment brainwasher. Tu vois. C'est ça. Non, mais. Alors sinon, je vais dire un truc que j'ai bien aimé. C'était sur. J'ai vu ça tout à l'heure. Attendez, je vais trouver ça. Pensant, tu peux continuer à te balader. J'ai vu ça tout à l'heure, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je sais pas ce que vous pensez de cette citation-là.
Je vous dirai après de qui elle est. Débattre, mettre de la raison, de l'intelligence, de la théologie dans l'espace public, croiser les regards et les domaines scientifiques, exercer une critique des exposés dogmatiques. Je fais le début de la phrase. Contre le poison du fanatisme, il faut débattre, mettre de la raison, de l'intelligence, de la théologie dans l'espace public, croiser les regards et les domaines scientifiques, exercer une critique des exposés dogmatiques. J'ai lu ça, ça m'a fait du bien. C'est qui ça? C'est qui postait ça? Alors, c'est l'orateur du Louvre. C'est l'orateur du Louvre qui a posté ça. Et en fait, c'est, en gros, c'est ce sont les mots du dernier synode national de l'EPUDF France. Les puffs. Oui, c'est parce qu'il y a le 2. Ah. Parfois, il y en a qui mettent le 2, mais il y en a parfois, il y en a qui mettent pas. Donc, il y en a qui disent les puffs et d'autres, les puffs. Les puffs. Les puffs. Il y a certains protestants qui sont pas très bons pour la communication, tu sais. Hey, t'es en train de parler, les puffs. Les puffs. T'es mauvais. Les puffs. On vire le 2, ça va très bien. Bref. Non, mais sûr, du coup, j'ai bien aimé ça. Et donc, ça m'a fait plaisir. Du coup, je voulais vous le lire. J'aime bien cette phrase-là. Alors, il y a Jésus président. Ah, mais ça, c'est ça la fameuse bannière. C'est ça la bannière de tout à l'heure. Alors, attends. Comment je... C'est un lien, en fait, quand même. Non, c'est une capture d'écran. Ah oui, c'est une capture d'écran de téléphone. Comment est-ce que j'ouvre ça? Attends, je vais juste l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Non. Ça marche pas? Apparemment pas. T'as pas bloqué les pop-up? Je sais pas. Désolé. Bref, en gros, c'est les violences au Capitole, Washington, une bannière Jésus 2020 brandie par des manifestants. Bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Trump, sur le fait que certains... C'est quand même la honte, genre, au lieu de Trump 2020, ils ont mis Jésus 2020, quoi. Genre, les gens, ils ont honte de rien. C'est ça, c'est, genre... ben, c'est à peu près pareil, hein, Jésus, Trump. On n'est pas loin de la réincarnation. Comment c'est quoi on dit La retour de Jésus. C'est ça, le retour de Jésus incarné. La deuxième, voilà, Jésus, Trump, c'est la seconde venue du Christ. C'est ça, quoi. Ça devient flippant, honnêtement. La présence de bannières religieuses au sein de la manifestation du mercredi 6 janvier a de nouveau mis en lumière le soutien indéfectible d'une partie de la droite évangélique à Donald Trump. Ouais. C'est... Non, mais quand je dis, je pense que ça va finir par un. Surtout, moi, je me demande les répercussions que ça va avoir en France, quoi. Mais. Avec la pancarte, ce qu'on est en 2021. Mais justement, en fait, je pense que en fait, la pancarte, elle faisait référence à Trump 2020. C'est pour ça qu'ils ont mis Jésus 2020. Je pense que c'est ça, en fait, la référence. Et du coup, c'est encore pire, quoi. Ouais. Il y a Roliré qui dit qu'il y avait des bannières Jesus is my savior, Trump is my president. Ça fait mal. C'est un genre moment, je t'assure, je suis là, genre, putain, j'ai honte d'être chrétien, quoi. Vraiment. Genre, je viens de me cacher, genre, je suis pas chrétien comme lui, je vous jure. C'est quoi ça? Alors ça, c'est quelqu'un qui nous... Tiens, c'est intéressant, on peut discuter de ça, ça nous changera un peu des questions théologiques. Hop, je vais vous repartager ça. Il y a Shaoui Lang qui dit, au-delà de la blague, il y a des gens à qui on ne peut pas parler parce qu'ils ont peur de toute remise en question. Oui, mais ça, malheureusement... Alors c'est intéressant, tu vois, c'est un événement en ligne bruxellois interdit aux blancs, créez-les-moi. C'est un événement en ligne organisé par un collectif féministe bruxellois nommé Imagine Rennes et soutenu par la commune de Saint-Gilles, créez-les-moi. Le conseiller communal Youssef, qui a épinglé l'événement sur Twitter, dénonce une dérive racialiste et sexiste totalement inacceptable. Tu sais à quoi ça me fait penser? D'accord. Sur le terrain de l'église, mais... les réunions spéciales pour femmes ou pour hommes. C'est ça. Ouais. Non mais là c'est un peu plus spécifique parce que c'est pas un événement spécial pour les femmes où les hommes ont quand même le droit de venir. Bon, c'est vrai que les événements pour femmes dans les églises, les hommes n'ont pas forcément. J'ai essayé de t'inscrire à un événement pour femmes. C'est vrai. Mais attends, juste, j'ai pas affiché en fait. Putain, je le sais, mais en gros. Hop. En gros, en fait, c'est pour ceux à qui ça parle pas. Pour ceux à qui ça parle pas, c'est la question des espaces non mixtes, en fait. En gros, si on considère qu'il y a du racisme dans la société ou qu'il y a du sexisme, en gros, créer des espaces, des événements où, bah, en fait, où t'as pas le droit de venir si t'es
de couleur blanche, ou t'as pas le droit de venir si t'es d'un homme, tu vois. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Enfin, ça, c'est une petite expérience au travail. Il y a eu pour la journée de la femme, ils avaient fait un événement spécial pour les femmes. Puis ma collègue de bureau qui fait ah, vas-y, viens avec nous, c'est pas grave, t'inquiète pas, machin, etc. Enfin, bref, vraiment, elle m'a chauffé pour venir, quoi. Du coup, j'ai dit, allez, enfin, chauffer dans le sens, ça peut être mal interprété. Elle m'a motivé pour venir. Surtout, elle m'a chauffé pour venir. C'est ça. Elle m'a motivé pour y aller. Donc, du coup, j'y suis allé. Et donc, du coup, je me suis assis tranquillement, café, machin, on prend le croissant, tout va bien. Et puis là, il y a l'organisatrice qui vient me voir, puis genre limite qui m'engueule, mais sévèrement, comme dit, mais vous êtes un homme? Oui. Ici, on sait le journée de la femme. Oui. Et ben alors, vous avez rien à faire là. Sortez, c'est pas pour vous. Bref, et donc, du coup, je suis passé. Et genre, et moi, j'étais assez, enfin, déjà, c'était malaisant. Et du coup, ça m'a toujours laissé un peu perplexe, parce que comment dire, si la finalité de ce type d'événement, c'est juste que les femmes se retrouvent entre elles, et puis... c'est genre, là ici c'est une bulle, au moins vous êtes tranquille, tu vois, il n'y a pas ces méchants hommes qui vont vous martyriser. Je sais pas, je suis toujours perplexe sur cette façon qu'on a des fois de lutter contre le... Je sais pas si c'est comme ça qu'on lutte contre le... David sera plus pour responsable de foutre le bordel dans mon couple. Et t'es chiant, t'as pas fait de vidéo sur ça. David, il faut que tu fasses une vidéo sur les espaces non mixtes. Mais en vrai, ouais, je suis assez perplexe. Et même dans l'église, enfin, moi je suis assez. J'entends ce que tu dis, mais moi je me dis souvent quel message. Attends, je l'ai pas encore dit. Ouais, non mais moi je suis toujours. Je me disais à l'époque où je prêchais encore, si un jour je devais prêcher à une réunion d'hommes, qu'est-ce que je pourrais dire spécifiquement aux hommes que je dirais pas aux femmes? Franchement, je sais pas. Enfin, vraiment, c'est une vraie question, tu vois. Et comment tu peux. Enfin, est-ce que tu peux être non sexiste? Enfin, je sais pas, tout en t'adressant qu'à une partie de la population. Mais l'homme, il peut être là sans donner son opinion, il peut juste se taire et regarder. Enfin, Oui, parfois, juste ton... C'est un peu comme si, je sais pas moi. En fait, il y a chez Willon qui dit en gros, pour pas librement de ton vécu, du racisme, du sexisme, t'as pas envie. Vas-y, je te mets. T'as pas envie qu'un homme vienne te donner son opinion sur ton vécu, de harcèlement, même s'il veut juste se renseigner. Ouais, non mais peut-être que je méconnais aussi ça et que effectivement c'est... Et puis surtout parce que là tu parles de donner son avis, mais même si tu dis aux gens de pas donner leur avis, il y a toujours ce... Enfin, je sais pas moi, c'est... T'as envie de parler de trucs qui sont spécifiques à toi, tu vois, et que déjà t'as du mal, tu sais, dans toute l'idée de libérer la parole et tout, et que, bah, en fait déjà t'as du mal à en parler. Je sais pas moi, c'est un peu comme si tu disais... à une femme qui a envie de parler des violences conjugales, tu vois. Ouais. Mais oui, ne t'inquiète pas, ton mari peut être là, vas-y, parle-en. Vas-y, mais sauve-toi à l'aise, hein, t'inquiète pas, on l'empêchera de te frapper. Hein. Tu vois, ben, c'est vas-y, parle, allez. Tu vois, ça fait un peu. Ben, je pense qu'il y a un côté un peu. Je comprends ce qui est reproché à la démarche, tu vois, et qu'il y a quelque chose de choquant de dire, bah, t'es blanc, tu peux pas venir à tel événement, tu vois. Après, je peux pas dire non plus que je comprends pas la démarche, quoi, de après, dire. C'est vraiment l'événement, je veux dire, si l'événement, c'est juste. Je sais pas moi. Ça dépend de l'événement, quoi. C'est ça, tu vois, avoir des... Tu vois, il y a quelqu'un qui donne l'exemple, tu vois, d'avoir un groupe de jeunes où les parents ne sont pas forcément là, tu vois, où les jeunes, là, ils te demandent aux parents de ne pas venir parce que bah, ça permet aux plus jeunes de pouvoir s'exprimer sans là, tu vois. Donc... Quelqu'un qui a visé pour parler spécifiquement des sujets d'hommes. Pour moi, c'est juste que c'est... Pour moi, j'ai pas de problème... Enfin, en soi, j'ai pas forcément un problème avec la création de ces espaces-là. Tant qu'il reste temporaire et t'assure, est bien défini dans l'espace et dans le temps, tu vois ce que je veux dire. Ouais, surtout que l'objectif soit clair. Tu vois. Ouais. Alors, si on se dit que l'objectif d'un tel espace, c'est pour que demain, ces personnes-là se sentent mieux, entre dans la société, ou dans... pourquoi pas, tu vois. Mm-hmm. Mais en fait, si c'est juste pour avoir une forme d'entre-soi, je suis pas bien convaincu. Alors, avec rien, justement le problème des hommes, c'est qu'ils se testent pas justement, et donc et puis si t'es fait violer, c'est déjà, t'as déjà du mal à en parler à des femmes, alors en plus il y a des hommes qui sont là, tu vois. Ouais, non, mais effectivement je peux saisir, mais dans ce cas-là on sera d'accord que l'objectif du groupe, ce sera pas juste que tu vives éternellement juste avec des femmes, quoi. Ce sera que tu évolues, t'arrives à grandir, à guérir ces blessures là pour demain, enfin je sais pas. Il y a Nor qui dit tu peux pas te mettre à la place d'une minorité qui est opprimée. J'étais d'accord avec toi, Nathanaël, avant de regarder une vidéo super bien et pas de David. Désolé pour une fois qu'on parle pas d'une vidéo de David. Attends, parce qu'elle continue. En effet, l'avantage de te retrouver entre soi, ça évite d'être gêné ou d'avoir peur d'en parler, et aussi de directement aller au but sans avoir à te justifier d'être ce que tu es.
Ouais, encore une fois, moi je pense, en fait, moi je pense c'est la finalité. C'est-à-dire que si on se dit, ok, c'est un espace, mais un peu comme une forme de groupe de parole, quoi, je veux dire, désolé pour la comparaison, mais un peu genre, je sais pas, je vais aux alcooliques anonymes, et le but, c'est pas que je fasse toute ma vie avec des alcooliques anonymes, quoi. Le but, c'est que là-dedans, je me restaure et que demain, j'aille mieux dans la société. Bon, mais c'est ça, pourquoi pas, c'est un but thérapeutique et que. Mais je pense que la question, c'est ça. C'est pour... J'ai pas grand chose à dire. Je pense que ton point de dire, est-ce que l'objectif est bien défini? Mais c'est ça. Et là où inversement, j'ai l'impression que, en tout cas, dans certaines sphères à l'église, où des fois, bah, juste les femmes se retrouvent mois après mois, et je veux dire, c'est pas pour autant qu'on demande vers une femme prêchée. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, elles sont juste bonnes à prêcher devant des femmes. Il y a des. Enfin, je sais pas, moi, ça me laisse un peu perplexe, quoi. Les femmes, genre, mettez-vous dans un coin, faites ça là-bas tranquillement, puis pendant ce temps, les hommes prennent tous les postes sérieux dans l'église, quoi. Je sais pas, moi, je. Je sais pas, juste des fois je me dis c'est quoi l'objectif du. Bref. Moi c'est plus la finalité qui me questionne, parce que si la finalité entre guillemets est thérapeutique et que ça apporte des fruits, bon bah. Ouais, Sherry Land qui redit, tu vois, quand tu dis à un blanc ce que tu vis en tant que minorité, au mieux il te croit sans comprendre vraiment, mais souvent il te dit que c'est dans ta tête et vécu plein de fois, visiblement. C'est genre, il y a pas Raphaël qui dit c'est pareil, ton cabinet de psychologue, il n'est pas au milieu du métro. Ouais, je suis pas sûr que la comparaison soit. Ouais, il dit Yves Emmanuel, justement, les alcooliques anonymes leur croient même à avoir avec eux-mêmes et leur vie et leur passé, etc. Alors qu'avec le racisme, le sexisme, ça concerne tout le monde. Oui, mais. C'est avoir une blessure qui te concerne. Oui, puis ça, oui, effectivement, ça concerne tout le monde. Et il faut avoir des événements où on parle de racisme, où tout le monde est convié. Mais parfois, ça peut être aussi un espace où ces personnes-là peuvent parler entre eux de ce qu'ils ont vécu sans avoir, comme disait Chahut tout à l'heure, à se justifier en fait de tout ce qu'ils disent, quoi, auprès de personnes qui comprennent pas, qui comprennent pas ce qu'ils vivent au quotidien, quoi. Puis objectivement. Encore une fois, c'est par exemple, c'est permettre à des femmes qui ont, donner un autre exemple, des femmes qui ont été violées, de pouvoir se retrouver entre elles pour pouvoir parler sans avoir à avoir un regard extérieur qui duquel ils se sentent jugés, voire même contredits. T'es sûr, tu l'avais pas ou même ils. Tu sais, parfois c'est même pas que les gens ils le disent, mais t'entends les gens penser ou t'as l'impression, tu te dis les gens se trouvent ils pensent ça. T'es libéré de cette pression-là du regard des autres. Et tu peux parler. Et bien sûr, il faut créer aussi des événements où les gens peuvent parler du viol, de la culture du viol. Enfin, moi, par exemple, je pense qu'il y a une culture du viol. Après, vous pouvez pas être d'accord avec moi, mais tu vois, pour tout le monde, quoi. Mais créer ces espaces, encore une fois, c'est pour moi, il faut qu'ils soient délimités dans le temps, délimités dans l'espace et avec une raison d'être bien précise, quoi. Mais en soi, s'il y a ces trois critères-là, je suis pas foncièrement choqué par ce genre d'événement, quoi. Bref. Ouais. Mais surtout qu'à l'église, quand on sépare les groupes, hein, pour rebondir sur le commentaire de Chahuiland, là, moi j'ai l'impression qu'on fait, ou sur le commentaire de David, qui dit aussi, je pense, qui a un peu la même chose. En vrai, j'ai l'impression que c'est le berceau du sexisme. C'est-à-dire que les effets, les ados d'un côté, les ados mecs d'un côté, les ados filles de l'autre, alors d'un côté, ça peut avoir un côté positif si effectivement, si on le définit dans un certain cadre, etc. Ah bon, encore une fois, c'est la question du pourquoi. Mais la réalité, c'est bien souvent, sans finir, entre guillemets, les garçons, presque, du coup, ils vont pas parler aux filles. Enfin, on va se retrouver. Moi, par exemple, typiquement, des séparations, c'est des trucs, on va se retrouver en gars pour faire des trucs de vrai mec, quoi. On va bouffer des saucisses, on va bouffer du vin, on va faire du sport. À part faire des gros bofs en puissance, en fait, quand t'as 14 ans, je suis pas convaincu de l'intérêt de la démarche, quoi. Enfin, je veux dire, comme ça permet d'avoir un regard sur les filles, comme quoi. Et les filles, tous ensemble, on va faire des cupcakes. Voilà, c'est ça. Question comme ça, moi, on a tous un regard ultra méprisant sur les filles ont un regard méprisant sur les mecs, et puis tout va bien, puis demain on va pouvoir bien vivre en société ensemble, quoi. Ça ira très bien au travail, du coup. Enfin, je sais pas. Alors, je vois que ce sujet-là, c'est ce genre de sujet, ça agite tout le monde, les gens. Ouais, c'est ça, je vois que ça. Il y a David qui dit oui, mais souvent ces événements sont des conférences, non pas des partages de paroles. Bah, encore une fois, après, encore une fois, on a précisé quoi, ça dépend du type de contenu. Oui, mais après, même, oui. Évidemment, on est dans la question du médicament. Il est tant à remettre qu'un poison selon la dose et l'accompagnement derrière. Bah, moi, j'aime assez bien ça en fait. Je pense que ça peut être bénéfique dans un certain cadre. C'est où qu'il a écrit ça que je l'affiche? Je sais pas, peut-être qu'il n'est pas encore arrivé chez toi, si tout en bas. Vas-y. Il y a tellement de commentaires, ça commence à ça. Ça commence un peu à filer. Chahuiland, j'ai entendu à l'église que les réunions pour femmes étaient pour être de meilleures épouses, de meilleures femmes. Apparemment, les hommes n'ont pas besoin d'être de meilleurs maris. Je t'assure qu'il y a des églises qui font aussi ça, hein. Ça peut te rassurer.
font et comment être de meilleurs époux, de meilleurs maris. Mais effectivement, en fait, c'était pas David, c'était Yves Emmanuel qui disait ça. On est vraiment dans la définition du médicament. Il est temps à remettre qu'un poison selon les doses et l'accompagnement derrière. Moi, personnellement, je suis complètement d'accord avec ça, en fait. Et vraiment, c'est ça que ça, c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est un bon résumé de ce que je ressens par rapport à ça. C'est que, bah, en fait, les espaces non mixtes, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, je crois, le terme technique, bah, pourquoi pas, mais en fait, ça dépend pourquoi, quoi, pour quelle, à quelle fin et tu vois, pourquoi on les met en place, quoi. Oui, mais ça me va. Disons que cet outil a été plus souvent mal utilisé, en tout cas dans les églises, du coup, il me laisse plus souvent perplexe que. En ce cas, j'ai entendu, j'ai entendu à l'église que les réunions pour femmes étaient pour être de meilleures épouses, de meilleures femmes. Apparemment, les hommes n'ont pas besoin d'être de meilleurs maris et meilleurs pères. Ouais. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il y a aussi des réunions pour hommes, mais. Il y a aussi des réunions pour hommes. Non, on dit, ouais, on va être des meilleurs maris, des meilleurs pères. Ouais. Maman, j'ai du bacon, moi, je vais au baby-foot, on va faire de la muscu. Trop bien. T'es là, genre, moi, j'aime pas le bacon, j'aime pas la muscu, mais je suis le baby-foot. Enfin, c'est pas forcément le cas pour moi, mais je veux dire. Parce qu'on a bien un bon stéréotype de ce que c'est qu'un homme, un vrai, quoi. Ah, mais si c'est pour dire que souvent les réunions pour hommes ou pour femmes dans les églises construisent le sexisme plus que lutte contre. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Encore une fois, moi j'insiste, si demain il y avait des réunions pour femmes, puis que, de ça, sort des temps d'échange, puis que les femmes, grâce à ça, puissent prendre confiance en elles, puissent prendre leur place dans l'église, puissent développer des personnes qui enseignent, qui lancent des choses. Encore une fois, c'est la question de la raison, en fait. C'est des lieux de cocooning, où ça permet aux gens d'exploser parce que là, ils sont bien. Bah, tu vois, dans des expériences d'église qu'on a eu toi et moi, il y avait des réunions pour femmes. Et ça peut avoir une incidence positive où ça crée un espace où les filles, elles sont entre elles, elles se sentent plus à l'aise, elles se sentent plus à l'aise d'entreprendre des sessions. Et ça peut être un peu comme une sorte de pépinière, ouais, tu vois, qui permet aux femmes de se mettre à l'aise, à commencer à prendre la parole en public, à faire des choses, tu vois. Et après, cette pépinière, elle déborde sur l'église, tu vois. Le problème, c'est que dans beaucoup d'églises, souvent, c'est pas une pépinière, c'est un jardin clos, tu vois. C'est genre, ouais, vous voulez faire des trucs, les filles, oui, amusez-vous là-bas. C'est ce que je veux dire. Faites ça allez jouer dans le jardin pendant que nous, on fait des choses de sérieux d'adultes, tu vois. Tu veux pas dans le public, d'accord, pas dimanche matin, mais parole le vendredi soir à la réunion de profane. Oui, vas-y, pas de problème. C'est ça. Mais est-ce qu'on pourra mettre fin au sexisme si les femmes ne peuvent pas prendre la parole dans les assemblées? Bah, à la fin du sexisme, ça arrête de faire la différence entre les hommes et les femmes pour un oui, pour un non. Donc, clairement, bah, non. Enfin, pour moi, en tout cas, tant qu'on dira qu'il n'y a que les femmes, qu'il y a que les hommes, pardon, qui ont le droit de parler en public, ça va être compliqué, je pense. Mais vous ne nous envoyez pas beaucoup de choses sur l'adresse mail. Hein. Je suis déçu. Franchement, moi, ce qui me ferait kiffer, c'est que en fait, vous preniez l'habitude de genre, vous copiez quelque part l'adresse email, le balade mentale. Et genre, balade critique. Balade mentale. Je crois que c'est une chaîne YouTube. si vous tombez pendant la semaine, si vous tombez sur des trucs sur Instagram ou sur Facebook, vous nous les envoyez sur l'adresse mail. Ce serait marrant. Ça va trop dans le bain. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, je me suis rendu compte, la seule chose que je pense que je pourrais être capable d'enseigner à des hommes dans une réunion d'hommes, c'est être moins sexiste. Ouais. Après, on peut parler. Parce que, en vrai, souvent, et d'ailleurs, je trouve que c'est souvent une caricature qui est faite du féminisme. Et peut-être que parfois, certains féministes sont eux-mêmes des caricatures. Mais le féminisme, c'est pas simplement dire que les méchants hommes contre les gentilles femmes. C'est dire aussi que le sexisme, par exemple, le virilisme, dire que l'homme doit être toujours fort, jamais pleurer, bah en fait, c'est aussi une souffrance pour les hommes, en fait. C'est pas parce que dire que les hommes ont une position dominante dans la société, c'est pas forcément dire que les hommes ne souffrent pas dans la société. Parce que moi, je sens des trucs comme ça qui tournent sur les réseaux sociaux, les femmes qui se plaignent, qu'elles souffrent, mais nous aussi, on souffre, on meurt deux fois plus au travail, on fait des travaux dangereux. Bah oui, mais en fait. Enfin, tu vois, personne, non, même pas tu l'as cherché, enfin, personne ne contredit ça. En fait, le sexisme, ça fait du mal à tout le monde, tu vois. Ouais. C'est juste que c'est pas parce que tu as une position dominante que tu souffres pas, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu souffres peut-être aussi autant, peut-être un peu moins, on n'en sait rien, tu vois. Mais en fait, que tout le monde souffre du sexisme, même les hommes, en fait. Et donc, les hommes peuvent parler aussi du sexisme et des souffrances. Il y a beaucoup d'hommes qui ont souffert, qu'on leur impose un modèle viriliste, un modèle, tu vois, ou non, tu dois pas pleurer, tu vois, si tu pleures, t'es une tapette, ou un, tu vois. Ouais. C'est vrai. Bah en fait, justement, parce qu'il y a Raymond qui dit, c'est quoi le problème, c'est quoi le souci avec les réunions spéciales hommes-femmes, en fait? Bah en fait, on n'a pas de problème en tant que tel, en fait. C'est la question, c'est la raison d'être, en fait. Pourquoi est-ce qu'on crée ces espaces-là?
Est-ce qu'on les crée pour attiser les préjugés et les, tu vois, et les stéréotypes en disant, ah oui, les femmes s'habillent en rose, elles font des cupcakes, et tu vois, et les hommes, ils font du sport, ils mangent salement, et tu vois, c'est tout, en fait, on n'a pas. Il y a Christophe Keating qui dit « Je crois que la raison principale des réunions pour femmes, c'est d'avoir des c'était pour avoir des intervenants de femmes qui pouvaient enseigner dans des milieux assez conservateurs. » Bah oui, c'est un peu ce qu'on disait. J'ai même pas ça en tête, mais en vrai, le pire, c'est que je pense que c'est les deux en plus. Hein. Ouais. Bah en vrai, ce serait ultra logique. Ouais. Tu veux dire développe. Bah, ce serait ultra logique, en vrai, dans les milieux conservateurs où la femme n'a pas le droit d'enseigner à l'homme, bah, c'est ultra logique de créer des endroits où il n'y a que des femmes pour que la femme puisse en faire enseigner. Ah. Et du coup, ça, en fait, ça fait vachement de sens. Ouais. En fait, l'église qui se modernise, bah, elle se rend compte qu'elle est dans une fichue écueil sexiste et du coup, elle essaie de rattraper ça comme elle peut. De dire, non, on va faire des cupcakes. En fait, ça aurait du sens. Enfin, je sais pas. Hein. Je sais pas si c'est vrai historiquement ou quoi. Là, j'ai pas le. Bah, en tout cas, c'est un peu ce qu'on disait. En tout cas, c'est que c'est un peu le côté. C'est pas une pépinière, quoi. C'est un peu le jardin où on dit oui, les femmes, ouais, bon, vous avez pas de place dans le reste de l'église, mais bon, allez vous amuser là-bas dans ce petit espace qu'on a créé pour vous, quoi. C'est ça. Bon, est-ce qu'on prend une dernière thématique pour finir cette soirée, cette petite balade critique ou pas? Est-ce qu'on peut prendre le post qu'on nous avait envoyé? Quel post? C'est sur qu'on a envoyé par message. Tu avais dit à la personne de nous envoyer par celui-là. Lequel? Si on peut aller le chercher. Hein. Ah, mais attends, il faut que j'aille sur Instagram. Ouais. Hop là. Allez. Allez, un post de Gaëtan Brassard pour finir. Je pense que certains d'entre vous connaissez. Alors... Genre, je vais dire d'entrée, et pour une fois, c'est pas ironique, c'est un des prédicateurs que j'aime beaucoup. Ouais. Ça veut pas dire que je suis tout d'accord avec lui, mais quand même, on l'a eu en prof. On l'a eu en prof à l'école. Ce gars-là et... Franchement sympa. God Save Louis qui dit on entend mal Nat. Vous entendez pas bien Nat? C'était il y a longtemps, ça. C'était il y a fort longtemps, en des temps diluviens. Il est 1h15 de retard. C'est qui nous l'a envoyé? Christian. Ah oui, bah. Ah, merde, on voit les noms. Fichtre. On sait qu'ils nous envoient des messages. Il fallait te chercher sur. Alors, quand j'ai rencontré la Bible pour la première fois, j'ai tout de suite perçu la Bible comme une menace pour ma vie. Comme j'avais raison. En effet, la parole de Dieu pénètre mon cœur pécheur, pulvérise mes idoles, attaque ma chair et confronte mon péché. Déjà, je trouve ça bizarre de faire une citation et de finir la citation, mais c'est qui Rosaria Bottalfield? C'est une chrétienne ou pas du tout? Faut qu'on cherche. Alors déjà, pour le coup, alors si bien j'aime bien Gaëtan Brassard, moi aussi, sur ce coup-là, alors, je suis pas forcément ultra limite entre la binarité de l'espèce humaine et le sexisme. Ça, c'est parti sur la question de... Non, ça, c'est... Non, ça, c'est ailleurs. Bien, remets le poste de... J'ai mis là, tu peux le lire. Là. Regarde, ouais. Regarde, il est là. Ah oui, ok. Alors déjà, moi, personnellement... personnellement, moi, je pense qu'il me laisse toujours un peu. Enfin, pour le coup, là, j'aime beaucoup Gaëtan Brassard, mais là, ça me laisse un peu perplexe parce que j'ai l'impression que c'est un peu une vision, tu sais, la vie chrétienne, genre, c'est dur, quoi. Tu vois. En vrai, genre, en fait, moi, c'est. En vrai, la Bible, si ça m'a appris des bonnes choses, être chrétien, c'est plutôt une bonne idée, non? Enfin, je veux dire. Ouais. Tu sais, genre, je suis content d'être chrétien. Je crois que l'amour de Dieu, je crois que c'est une bonne chose. Je crois qu'aimer son prochain, je crois que c'est une bonne. Je crois que, tu sais, même je dis même une fois, genre, même si un jour je vais plus être chrétien, bah, je crois que j'aime bien la philosophie de la Bible, tu vois, l'idée d'aimer son prochain, d'être attentionné, etc. Mais du coup, moi, je suis toujours un peu, genre, bah oui, c'est le matin, j'ai pas envie de me lever, mais en fait, je me lève quand même parce que je sais que c'est bon pour moi, j'ai pas envie d'aller au sport, mais je vais quand même faire du sport parce que je sais que c'est bon pour moi, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, j'ai l'impression que ça insiste sur le côté difficile de la chose, mais alors que, bah oui, ça attaque ma chair, oui, bah oui, le matin, quand je me lève, mon réveil attaque la chair, tu vois, pourtant, bah, je me lève quand même, tu vois. Ouais. Genre, bah, c'est vrai que c'est une perspective très négative, en fait. Enfin, moi j'aimais bien, tu sais, dans l'église on était avant, c'était une, tu sais, la phrase c'était un peu aime Dieu, aime les gens, mais aime la vie, quoi, tu vois. Ouais. Et que être chrétien, bah si c'est vivre la vie en abondance, Jésus est venu, je suis venu donner la vie en abondance, bah c'est qu'en fait on est venu vivre la vie, être chrétien, c'est essayer de vivre la vie à son meilleur, tu vois. Ouais. Et que ça donne c'est un ça. Côté. C'est une bonne nouvelle, moi, je veux dire, en soi. La vie n'est pas une menace pour ma vie, au contraire, c'est peut-être une menace pour le péché, mais le péché n'est une menace pour moi, quoi. C'est ça, exactement. Donc, en théorie, si j'ai bien compris ce que c'était que le péché, mais en théorie, même moi, le péché, ça me donne pas envie, en fait. Oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, ça me donne envie, comme ça me donne envie, je sais pas moi, de me goinfrer de glace, et puis j'ai l'impression que ça va me faire prendre du poids, que je vais être gros, et que ça va me donner du cholestérol, et du coup, je me dis, bon, bah, je vais pas en prendre, tu vois. Enfin. Oui, c'est ça. Ça me laisse toujours un peu perplexe quand on a ce regard aussi. Être chrétien, c'est dur, quoi, vraiment. Ah, je sais pas, moi ça me. Et puis, moi ça, puis, mais pour moi, ça donne, tu vois, ça donne une image aussi que,
Tu vois, il y a un peu cette idée-là qu'en tant que chrétien, on aime le péché, tu vois. Ouais. Tu vois alors que pour moi, c'est plus on, en fait, on désire des choses qui sont bonnes, mais en fait, on essaie de s'y rendre par des mauvais. Je sais pas. Enfin, je sais pas. Ça, c'est que. Tu vois, j'aime beaucoup que tu vois, Jésus, il a, quand il parle, il est beaucoup dans. On est perdu, tu vois. Mm. Tu sais, le fils prodigue, il était perdu, maintenant, il était retrouvé, quoi. C'est que, en fait, on désire des choses qui, au fond du fond, sont bonnes, de toute façon, ouais. Mais qu'en fait, on se trompe dans notre chemin pour nous y rendre, tu vois. Et je préfère beaucoup cette idée d'un Dieu qui nous montre, en fait, le chemin vers la vie. En fait, on désire tous la vie. Mm. On désire tous la vie à son meilleur, tu vois. Ouais, et qu'en fait, parfois, on se trompe, en fait, dans notre chemin vers la vie, tu vois. Ouais, ouais. Et je trouve que ça donne l'impression qu'en fait, ce qu'on veut, c'est le plus mauvais pour nous, tu vois. Mais en fait, c'est juste surtout que c'est qu'on est aveuglé, en fait, on se trompe. On est troublé dans notre perception de ce qui est le mieux pour nous, tu vois. Mm. Mais en fait, on cherche tous à avoir le meilleur pour nous, tu vois. Je suis complètement d'accord. Et bref. Je suis complètement d'accord. Les gens dans le chat ne sont pas du tout avec nous, quoi. Ils sont restés sur la question des espaces non mixtes. C'est ça. Donc, bon, bah écoutez. Bon, ben, je propose qu'on arrête là on arrête là pour ce soir. Ça continue sur la question. Après, limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vous laisser le chat et nous, on va dormir. Et puis, on laisse tourner le live, continue à discuter. De toute façon, visiblement, vous n'avez pas besoin de nous. Vous débrouillez très bien pour discuter sans nous. C'est peut-être une bonne nouvelle. Hein. D'ailleurs, on a un Discord, on a un serveur Discord. C'est ça, si vous voulez le rejoindre, vous pouvez continuer à discuter toute la nuit. C'est ça. On ne modère quasiment pas, sauf quand on nous appelle au secours, je me suis pas insulté. C'est ça. Mais sinon. Bon, bah écoutez, peut-être déjà, on voudrait remercier tous les donateurs qui nous donnent. Il y a plusieurs personnes qui nous donnent régulièrement maintenant et qui nous ont permis de nous acheter tout le matériel qu'on a là. En fait, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, je vais le montrer quand même. Ouais. On a pu s'acheter un joli micro qui fait qu'on je pense qu'on a un bien meilleur son. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Dites-nous en fait si ça se sent si on a glow up, tu vois. Si vous trouvez que ça a monté en qualité, parce que vraiment, alors on a beaucoup de choses. On s'est acheté une lumière. Est-ce que je peux la montrer? Du coup, ça va tout massacrer. Ouais, c'est pas grave. Tu vois. Bref, hop là, je vous montre un petit peu, mais voilà, on s'est acheté un projecteur et tout, un truc qui nous permet d'être. Voilà. Le son est moins bien, rendez l'argent. Le son est moins bien, c'est vrai. Non, sérieusement. Mais non, en plus, il a rien donné, lui. Ça semble. Il balance. Donc, bref, en tout cas, dites-nous si c'est. Comment est-ce que vous trouvez ça? J'enlève le partage d'écran. Ah, j'enlève le partage d'écran. Ah, oui, parce qu'effectivement, la qualité est pas. Hop là. Ah, donc, du coup, notre super micro. Notre micro. Ah. Oui, pardon. Et voilà, et je remonte à notre lumière. Donc voilà, donc dites. Mais oui, ça sonne vraiment bien. Bah merci. Donc voilà, donc merci. Mais tout ça, en fait, tout ça, on l'a payé grâce grosse aux gens qui ont donné, quoi. Et donc, je pense que la prochaine étape, alors, sachant qu'on en a acheté, parce que Nathanaël et moi, là, on est ensemble, au risque de notre vie. Pour vous, ça, j'ai bravé le couvre-feu. Pour vous, on est. D'ailleurs, si je me prends une amende, ce sera un mauvais soir, j'aimerais les factures. Du coup, ça paraît comme une transition. Donnez pour payer ma future amende, s'il vous plaît. On entend presque vos cœurs battre. Enfin, voilà. C'est beau. Ouais, c'est beau. Donc, bref, si vous. Je pense que la prochaine étape, donc là, on a acheté un micro pour Nathanaël et un micro pour moi, une lampe pour Nathanaël, parce que bon, on pourrait se retrouver à faire des choses à distance. Et je pense que la prochaine étape, ce sera potentiellement d'acheter des caméras, une meilleure caméra. Avant ça, on filme avec mon iPhone. Donc, ouais, avec nos iPhones. Donc, encore une fois, voilà, ça, je peux que vous encourager à continuer à participer. On a envie d'évoluer encore, de créer des nouveaux concepts. On aurait envie de pouvoir déployer du temps aussi pour mauvaise foi. Donc, pouvoir peut-être payer des gens pour avoir aussi des jingles. Donc, bref, si vous voulez participer, n'hésitez pas à le faire. Et pour nous, déjà, ça fait du bien d'être encouragé comme ça. Et voilà. Et en plus, ça nous permet de nous améliorer et de monter en qualité, quoi. Vous pouvez aller simplement, vous allez sur notre site web ou suivez les liens, ouais. N'importe où ce que vous êtes. Il y a aussi tout à l'heure quelqu'un qui demandait le lien du Discord. Et en fait, si vous allez sur notre bio sur Instagram, vous avez tous les liens. Sur Instagram, Discord, sur Facebook, partout, il y a les liens partout, quoi. Donc, si vous suivez le lien de la plateforme là où vous êtes actuellement, vous trouverez assez facilement notre Discord et la page pour donner, quoi.
Yes. Donc voilà. Bah écoutez, merci à tous. Et on... Il y a toujours débat sur la discrimination. Oui, c'est ça. Genre. Allez discuter dans le Discord. C'est ça. Non, c'est on va discuter ça. Ceux qui sont dans le Discord et ceux qui ne sont pas dans le Discord. Et je trouve qu'on finisse en prière. Allez, c'est toi, c'est toi qui prie. C'est moi qui prie. Allez. Ok. Très bien. Bah, Seigneur, je te remercie pour ce moment qu'on a passé ensemble. Seigneur, je merci déjà pour la qualité des échanges qu'on a eu. Merci pour la qualité des échanges qu'on a eu avec Camille. Camille de Cuts at the Green. Seigneur, je te... Je suis juste content, Seigneur, qu'on crée cet espace-là où on peut discuter librement de la foi, de toi, Seigneur, et de comment est-ce qu'on te comprend, comment est-ce qu'on on grandit dans notre compréhension de qui tu es. Je suis content parce que aujourd'hui, je pense qu'on a tous grandi. On a échangé, on a partagé dans la bienveillance, dans la bonne humeur. Et je te prie aussi pour cette année qui vient. Et je te prie qu'on l'a dit dans notre post qu'on a posté récemment, Seigneur, que... on puisse prendre notre part de responsabilité, qu'on ne se contente pas juste de vœux pieux pour faire de cette année 2021 une année de progrès, une année où on va grandir dans l'égalité entre chacun d'entre nous, Seigneur, dans la manière dont on bénit notre prochain, Seigneur. Je te prie qu'on ne fasse pas juste des vœux pieux, mais qu'on puisse prier que tu nous inspires, Seigneur, des nouvelles manières de communiquer, de parler, de militer, même si Camille n'aime pas trop ce mot-là. Seigneur, qu'on puisse que tu puisses nous accompagner, nous guider, Seigneur, pour qu'on soit actif pour faire avancer ton royaume cette année. Amen. 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 Allez. Ciao, bonne soirée. Ciao, bonne soirée tout le monde. Bye.